Salut, voilà une info qui tourne depuis un jour sur les réseaux sociaux. En même temps, c'est normal, ça parle de Twitter. La police norvégienne vient d'être primée tweet le plus drôle de l'année 2013. Bah, elle vient de commencer. Eh oui, mais bon, si la police se met à faire de l'humour, on est mal barré. Le nouveau DVD spectacle de Nick Tzamer. Bonsoir. Ça va? 1h30 de fou rire. Eh, vous avez jamais remarqué les menottes? Ah. L'autre jour, je mets les menottes à une dame comme ça, elle me fait « Oui, les menottes, d'accord, mais c'est moi qui vais au-dessus. » Et l'autre jour, je suis avec mon collègue, on fait une ronde en banlieue. Et là, il m'arrête, il me dit « T'as pas la trouille ?» Je lui dis « Jamais en patrouille. » Mais vous croyez que ça me fait plaisir, là, de taper les mecs comme ça? L'autre jour, je suis en manif, je lui tape dessus pendant 2 heures, bam, 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 j'avais la bleue. Le DVD spectacle de Nick Tzamer, une bonne idée cadeau pour la Saint-Valentin. On a appris sur Twitter que les cinémas Gaumont et Pathé ont créé des sièges plus confortables et mieux placés. C'est cool ça? Oui, sauf qu'il faut payer plus cher pour les avoir. C'est pas cool ça? Avant, j'allais au cinéma. Je payais ma place 10€, plus 3€ pour des lunettes 3D. Pour être bien assis, c'était 3€ également. Avec les pop-corns et ma femme, ça montait dans les 60€ la séance. Alors, je suis devenu producteur. Et depuis, j'aime quand le prix des places augmente. Vous aussi devenez producteur. Appelez tout de suite le 3939 et dites pognon. Eh, moi aussi je suis producteur, mais de musique. Ah oui, et t'as produit qui? Grégoire. Dommage. Bon allez, salut, salut.